sur Coco Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vraie vidéo. Et aujourd'hui, on va faire du Roblox. Désolé si les serveurs ne sont pas nickel. S'il y a des bugs, ce n'est pas ma faute. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, on va faire l'Escape Hotel. Donc, à tout de suite. Pilipipa. Alors, je retrouve... Ok, d'accord. Le gros mama spoilé, hein. Ok, dehors. Hop, la porte elle s'est refermée devant mon nez. Ok, la baignoire. Ok. Ah oh bah merci. C'est des gens qui font tout à ma place. C'est génial. Bah. Oh, j'ai été obligé. Ah, je suis tombé dans la lave. Ah, j'ai cru que j'allais pas mourir. Bon bah on se retrouve dans un hôtel qui a l'air absolument normal, mais dans chaque escape, apparemment il y a de la lave, c'est la vérité. Mais pourquoi il y a eu des tremblements de terre? Je suis nul. Je suis nul, en plus de ça, je veux jamais mourir. C'est une blague. Sérieusement, c'est une blague. Et quand j'atterris, je suis toujours allongé. C'est pas normal, toi. Ouh, j'ai failli tomber. Aussi loin que ça, aussi près du checkpoint, ça va être vrai que je tombe. Ok, y'a rien. Eh ben, l'hôtel, il a un problème, là. On aurait dit une espèce de truc alien. Ok. On a bien vu que j'ai marché sur les lasers et que ça n'a pas marché. C'est seulement après. Et oh. Ok, les portes s'ouvrent toutes seules. Sur Roblox, c'est absolument normal. Ok, il y a l'air. Faut pas passer dans l'air. Parce que l'air tue. C'est ce qu'il faut savoir. Dans Roblox, l'air tue. Hop, je suis mort. J'avançais pile au mauvais moment. Par contre, il y a un subscriber là. Ah, c'est bon, le gros m'a bien spawné cette fois. Voilà, il est en couleur. C'est un groom, c'est peut-être pas Spiron, mais bon. Ce serait Tau de Nice. Bon, je ne parle pas anglais, hein. Donc, je ne saurais pas bien lire dans ce jeu. Ok, d'accord, il y a la piscine, il y a Transat. Oh, ça fait tellement du bien. Les Transat. Entre avec sa baignoire de slime. Ok. Ok, d'accord. Il y a un verrouillage. Il y a quelqu'un avec moi. Et je peux pas nager sinon je coule. Ok, d'accord. Et j'ai pas le droit de nager. C'est super. Oh. Ah, il va bien s'actionner. Ah, et maintenant c'est ouvert les trappes. Et l'eau vole. Ok. Très bien. On fait une chute de je sais pas combien de mètres de haut. Et on se retrouve dans une salle avec nucléaire. Par contre, les maîtres qui font le truc nucléaire, je les comprends pas. On va jamais en finir. Oui, ça passe. Oh, le gros laser là. C'était pile au dernier moment. Le dernier, mon ami, mon nouvel ami. Oh, ok, je peux jouer dans le vide. Heureusement qu'on retrouve un peu le sol. Ah non, faut sauter là-dessus.
Et il faut sauter sur le décor. Ceci est absolument normal. On saute sur les tuiles. Je crois que c'est ça. Je sais pas trop comment ça s'appelle ça. C'est plutôt des tuyaux. Voilà, c'est des tuyaux. Je sais même pas comment ça s'appelle des tuyaux. Alors que je rentre à l'école. Hein. Comme c'est bientôt la rentrée, c'est bien. Non! Là, je suis sous. En fait, on... Comment on fait pour régène dans Roblox? C'est vraiment qu'on a une deuxième vie supplémentaire ou c'est qu'on est des trolls? En gros, on s'est multiplié. Je sais pas si vous savez, les amis, mais en tous les cas, dites-nous-le. Dites-moi si, voilà. Comment on fait pour régène? Il y a encore de la lave, ok, d'accord. Dans Roblox, parce que le nombre de fois où on meurt, on s'est fait clouner, c'est pas possible. Et on est tombé dans la... Super. 1%. 5% de chance de le franchir. Alors. À main combien? 511. Ok, à main 511, ça veut dire qu'il y en a 511. Ok, bah je t'attends. Allez, viens mon ami. Je t'attends. Avec ta pourreuse cochon. Ouais. Non, comment tu fais toi? Ok, d'accord. Pas du tout de double jump, mais en fait, il faut sauter au tout dernier moment. Ok, d'accord, j'ai trop de lapsus. Non, tu t'écrabouilles devant. Ok, marcher sur la lave. Et comment tu fais là pour marcher sur la lave? Oui, enfin. J'ai réussi ce jump quasiment. En fait, on lui laisse 20%. Si c'est vraiment au tout dernier moment. Ok. D'accord, mes chaussures ont fait toboggan. Sur un rond en pierre. Cette fois, c'est ma tête. Oulala. De tous les escapes que j'ai fait, c'est pas le plus dur. Hein. Et pourtant, j'ai déjà réussi plus dur que ça. Imaginez le nombre de fautes que j'ai déjà fait. Vous avez vu, les jeux ne sont vraiment pas nickel hein. Au niveau du tremblement de terre au lieu d'un truc qui monte. Allez, on remonte à la surface, ça va faire du bien. Pire que ce que je pensais. On est encore dans cette salle nucléaire. Ok, bah si vous voulez hein. Je ne suis pas mort et j'ai traversé un laser. Mais le laser, tu le traverses sans être coupé. Ok, je n'ai pas bien compris leur histoire. Mais il est infranchissable. Mais on va pas racheter comme ça, hein. Alors, concentration. C'est le dernier. Tatari ! Enfin. Depuis le temps que je l'attendais, ça qu'on gagne. What ? On est enfermé dans une pièce. La pièce est bien sombre. Non! Oh, c'est quoi ces têtes? Oh, sérieusement, c'est quoi ces têtes? Ces têtes qui t'affichent et que des smileys. Oh, ils sont horribles. Quand même. What? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait? Ok, d'accord. Vous êtes bien d'accord, j'ai rien fait. On attend quand même. Troll. Et je meurs. Très bien.
Aussi un glitch que j'adore faire quand je suis mort et que ma tête elle touche le checkpoint. Ah, un coup de bol là. Et bah en fait je suis téléporté au stage suivant donc en fait je gagne sans rien faire. Non! Ça c'est le genre de truc que j'aime pas faire. Déjà avec des plateformes, donc avec des trucs qui partent dans tous les sens, j'aime encore plus pas le faire. Putain mais l'hôtel il fait combien de mètres de haut là? Ça y est, petit. Ouais, il est petit. Bon, il y a des murs. Hein. Il y a des murs avec des lampes sur les côtés. Hein. Faut être fort. Ta-ta-ta-ta. On arrive au ralenti total. D'où... On se ralentit, maintenant on saute, mais on accélère. Allez, l'ascenseur! Ascenseur! Mais c'est une blague! Ah, l'ascenseur ne voulait pas me prendre. Y'a pas de survie, j'espère. Oh! What? L'ascenseur, il a pété? Il a pété? Ok, d'accord, bah on monte. C'est pas très sécurisé, mais bon. Et on monte à la barre, en fer. Ok. Non! Zéro dégâts de chute. Normalement, il y en a un de Roblox. Je sais pas pourquoi là, il y en a pas. Normal, il fait une chute de je sais pas combien de mètres de haut, il est pas mort. Non, mais après, c'est si vous voulez, hein. What? Maman passe à travers le mur. D'accord. Il y a plein de petits défauts en fait dans Roblox. J'hallucine le nombre de défauts qu'il y a. Mais sinon, ce jeu est bien. Les détails sont bien. Mais parfois, ça peut vraiment bien bugger. Aussi. Oh là là, la blague! Il y a une porte d'ouverte? Ou c'est vraiment que c'est sa porte? Oui, c'est vraiment que c'est sa porte. Wouh! Cette porte est dangereuse. What? C'est fait avaler par un poisson. Laisse tomber. Hein. Bon, mais bon, le poisson, il a mangé quoi là pour avoir des barres aussi solides que ça? Les miettes de son corps. C'est n'importe quoi. Attends, mais. Bleh, je peux aller dans la salive. Ça, c'est encore pire. Et on voit bien qu'on a été avalé alors qu'on n'a absolument rien fait. Regardez, on est tombé juste de tout là-haut. Est-ce possible que c'est ça qui a mordu l'hôtel? Et qui a mangé tout le monde, donc il n'y a que moi qui est en mission. Avec mes potes, hein, bien sûr. Peut-être pas avec mes potes, mais avec mes nouveaux amis. Mes amis de jeux vidéo. On dirait du bonbon. Écoutez. Je dirais des bonbons, mais une fois que tu sais ce que c'est, tu te dis, ah ouais, on mange pas ça. Oh, les tubes de bonbons. C'est même pas des tubes. Et ça aussi, là, le mur, là. Ça aussi, là, les murs, là. C'est bon, hein. Ça va bon. Non, je blague. Hop. Ok, il a de la radioactivité dans son ventre. Très bien. Non, mais je me plains pas, hein. Ok, de la pierre. Par contre, il a des blocs de pierre qui font un pont. Mais dans Roblox, en fait, jusqu'où ils sont allés là pour chercher tout ça? Faut quand même aller le chercher, hein. Faut pas sauter là-dessus. Faut sauter à un autre endroit. Attends. C'est moi ou je rêve ou j'arrive pas à lire un prénom? En fait, il est totalement impossible de lire son chiffre. Il fait que monter en fait dans les classements, donc c'est dur de savoir. On ne joue pas à Minecraft, mais bon. Oups là! Là, faut absolument vérifier là où on est.
haut. Oui. C'est bon, maintenant on peut la jouer normale. Sinon, ce sera absolument bien. Voilà, c'est tout pour nous. Les vieux ascenseurs. Les tout vieux, tout vieux. Ciao, c'est la tour de la terreur. Et on a refait la tour de la terreur. C'est quelle porte là, la bonne? C'est celle-là. C'est celle-là. C'est elle. Non, c'est elle. Ah, c'est elle. C'est même pas une porte. Ok, d'accord. C'est bon, il a rage quitte. Non, il a quitté le jeu, il a terminé. Ok, d'accord. Hein? Ici, c'était notre chambre. Notre merveilleuse chambre. Il y a encore des commandes. Ok, il y a personne qui a pris. Oh, les lasers. Ah, c'est violent, hein. Bah quoi, on s'est échappé, c'est bon. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va bientôt être la fin, j'allais dire. Oh là là, Guigui, il est derrière moi, il est au stage 5. Ok. Apparemment, j'ai pris tout mon temps. Tout le monde a rage quit. Il y en a un qui a fini, qui m'est passé devant. Parce que il croyait être un pro et en fait c'en est pas un. Mais donc du coup comme il s'est donné à fond. Moi c'est ma première vraie vidéo donc wow. Il y a quelqu'un qui vient de commencer, c'est Peggy Abby. Wow. Abby. Abby ou Obi, c'est un peu pareil, hein. C'est marsupilami ça. On n'a même pas le droit de tourner là-dessus. Au début, j'avais cru que c'était de la végétation. Oh, t'as trop bien fait. Non, mais les villes sont bien faites. Hein. Oui. Même s'il n'y a pas de porte, mais bon. À part mon jailbreak, que moi, je me loue des hôtels. Pas mal. Mais en fait, qu'est-ce que ces pierres font là? Je veux bien savoir ça, moi. C'est le balcon. Ok, c'est un balcon en ruine. Peut-être pas en ruine, mais assez cassé, quoi. Oh, les LED. Les LED ont de l'épaisseur. Ah non, carrément. On monte sur le truc hôtel. Je sais que c'est pas très courant, mais bon, avec une petite souris qui monte, c'est encore moins courant. Non. Ils ne veulent pas que tu montes. Oui, je sais. C'est très désespérant. What? Vraiment glitché? Ah non, pas contre les vitres. On peut pas glitcher. J'ai glitché en fait, je suis passée à travers le mur. Je sais pas comment j'ai fait. Oh, il y a au stage 10. J'ai peur qu'il me rattrape. Ok, d'accord, j'ai compris. Oui, vous l'avez vu là-bas, là? C'est quoi, là, ça? Faut le rejoindre d'où? Je vais jamais y aller, là. Coucou Gaming premier, ok, d'accord. Allez, bien sûr. Checkpoint. Speed. Wouhou, il y a trop de speed.
Mes jumps sont immenses et mon speed est gros. On va. Je vais plus rapide que moi. Je peux aller de partout, j'ai tout fini. J'ai fini la map Escape Hotel. Oh là là, ce jump qu'on avait, c'était vraiment assez impressionnant. Et puis... Et ben c'est bon, on a fini, enfin. Lighting jaune. Ice. Oh, pas mal. Ben on a enfin fini. Ça y est, on a fini. On peut le quitter. Ça y est, c'est officiellement la fin de cet Escape Hotel. Et en fait, moi j'ai terminé premier. J'ai terminé dans les premiers. Et moi j'ai halluciné. Parce qu'il y avait des gens qui étaient encore au premier stage. Alors que moi, en fait, j'ai quasiment pas du tout avancé. C'était quand même assez long, je sais, mais vu le nombre de fois où j'atterris dans la lave ou dans la radioactivité, c'était assez chaud. Alors dites-moi quel est l'état que vous avez préféré, si vous avez déjà joué à cet Escape Hotel. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Ciao !